Bonjour, Daniel, accompagnateur montagne, guide de pays sur la destination écotouristique Alpe Azur Mercantour. Une destination écotouristique, c'est participer à la valorisation d'un territoire à travers des randonnées itinérantes, thématiques et favoriser les échanges avec les gens du pays pour un développement du tourisme durable et de l'écotourisme. Quelques exemples d'activités écotouristiques. Rando montagne à travers les espaces protégés, des visites pédagogiques chez les agriculteurs, favoriser les échanges, création de partenariats entre l'accompagnateur et les personnes locales afin de valoriser le patrimoine, lier des partenaires entre villages, coopérer et participer à une dynamique locale. Cette destination touristique écotouristique se trouve entre deux espaces ruraux protégés et touristiques et entre deux espaces protégés. Au nord, le parc national du Mercantour et le parc régional des Préalpes d'Azur. Cerné par la vallée du Var, qui est son fleuve, jusqu'aux sources au hameau de Estin, commune d'Antrone, jusqu'à la mer Méditerranée. Et cette offre écotouristique est structurée par un organisme qui s'appelle Azur Mercantour Nature, cohérente en fédérant les acteurs autour d'un projet écotouristique partagé.